trop, je te l'ai déjà dit. La nature est dangereuse pour un petit comme toi. Tu veux, Yakari? Hop, hop, hop. Il y a un progrès. La dernière fois, tu étais tombé dans un cactus. Alors là, bravo, je n'ai presque rien senti. D'où tu sors, toi? Un coyote? Ça alors, mais depuis quand les coyotes tombent du ciel? Il a dû être enlevé par cet oiseau de proie. Oh! Ça chatouille! On ne joue plus? D'où viens-tu? Tu es trop petit. Tu ne sais pas encore parler. Ta maman? Où est ta maman? Maman. Tu n'en tireras rien, il est trop petit. Oh. Si le vautour l'a emporté, sa mère peut-être a des journées de marche d'ici. Oui, tu as raison. Mais on ne peut pas l'abandonner. Il est vraiment mignon. Et comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Non, enfin, je veux dire, je ne lui ai pas encore donné de nom. Tu pourrais l'appeler Tache Blanche sur le front. Oui, ce serait original. Tu vas être sage maintenant, d'accord? Pas bouger, hein? Et voilà, trop dur, non? Alors, bien dormi, Yakari. Tu devrais l'appeler Empêche tout le monde de dormir. Bonjour, Yakari. Tiens, salut. Bien dormi? Bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Non, non, pas jouer! Non, pas jouer! Tu vas te brûler. Oh, donne-moi ça. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, mère. Tu devrais l'appeler. Mets le feu au tipi. Il est adorable. Depuis qu'il a trouvé ce vieux bout de cuir, il nous laisse tranquille. Reste de nuit. Tu n'as pas vu mon autre mocassin? Rends-moi ça. Ici. Tout de suite. On ne joue plus. Dehors. Impossible de dormir avec cet animal. Lâche ce mocassin.
que tu penses de Mâchouille Mocassin du matin? Bien, Carrie, cet animal n'a pas sa place ici. Il serait mieux parmi les chiens avec Mère Nature. Reconduis-le sur le massif du Loup. Beaucoup d'autres coyotes vivent là-bas. Je l'aurais bien gardé encore au campement, le temps qu'il grandisse un peu. Qu'il soit plus fort. Il faut que tu trouves une solution, Yakari. Parmi les Sioux, il n'y a pas de place pour un animal sauvage. Je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il est bien trop petit. Oh. Le plus grand service que tu peux rendre à cet animal, c'est de lui apprendre à avancer. Mais il avance très bien, regarde. Non, c'est une image. Je veux dire, de lui apprendre à aller de l'avant tout seul. À se débrouiller, quoi. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a faim. Mais oui, il a faim. Tiens, goûte. Tu vas voir, c'est bien meilleur que la semelle du mocassin de mon père. Tu n'as qu'à te servir toi-même. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. C'est bien. Tu apprends vraiment vite. Maintenant, passons à la deuxième leçon. Il ne te reste plus qu'à te gratter l'oreille avec la patte et ce sera parfait. Regarde, là, tu vois ces traces? C'est un daim avec son petit. Les traces sont profondes. Ils sont passés tôt ce matin, quand la terre était encore humide. Et là, c'est un écureuil qui a mangé une pomme de pin. Il habite certainement dans cet arbre. Là, ce trou rond, c'est un nid de pivert. Oh non, un ours! Attends! Non, attends! Qui a osé? Attends! Je vais tout expliquer! Oui? J'écoute! Et voilà, tu sais tout. Maintenant, il faut que je lui apprenne à se débrouiller tout seul avant de laisser vivre sa vie. Je peux te donner un petit coup de patte. Je peux lui apprendre à pêcher. Bonne idée! Tu vois, c'est facile! À toi maintenant! Oh. On pourrait l'appeler saute dans l'eau glacée. Hey. C'est pas tout ça, mais moi j'ai des provisions à faire pour l'hiver. Je suis sûr que vous allez très bien vous en tirer sans moi. On se revoit au printemps prochain. Bon, moi je vais me sécher. Et toi, fais ce que tu veux. Quelle autorité! Bravo! Tu sais te débrouiller tout seul finalement! Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Toi, tu vas par là, petit tonnerre, et moi, on retourne au campement. Non, c'est plus raisonnable. De toute façon, je n'aurai jamais eu le temps de m'occuper de lui. Je sens qu'il va très bien se débrouiller tout seul. C'est à lui que tu devrais dire tout ça. Hein? Oh non, c'est pas vrai! Aussi collant qu'un pot de résine. Oh, tiens, un pot de résine. C'est un beau nom, ça. Bon, on va camper là. Demain, on trouvera une solution. Solution, Yakari. Tu crois vraiment qu'il va s'en sortir? Il est si petit. Je le savais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul.
veut dire qu'il nous aura joué des tours jusqu'au bout, lui. Merci beaucoup, Yakari, de t'être si bien occupée de mon fils. Oh, non, non, ce n'est rien. N'importe qui aurait fait pareil à ma place. Ne t'éloigne pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup appris en votre compagnie. Sauf à être obéissant. Au revoir, les coyotes! Tu l'as vraiment abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, non, il a retrouvé sa mère. Tu as trouvé son nom? Comment il s'appelle? Eh bien, je crois que son nom, c'est... Coyote qui n'a pas de nom. Coyote qui n'a pas de nom? Tu plaisantes.